Et tout de suite, on va découvrir le coup de cœur du jour. Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Victoria Sio. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée. Vous étiez venue nous voir en invitée principale pour un album et pour le film Aline de Valérie Lemercier dont vous étiez la voix. On va découvrir votre single Meilleur pote issu de votre nouvelle EP Deuxième Vie et on revient sur Radio J. Merci. Faudrait que je te serre dans mes bras mais j'hésite. Faudrait que je te prenne contre moi mais j'évite. Je t'aime et j'impose à toutes tes larmes de couler. Et qu'on se pose sur la notion d'âme, d'amitié. Compte sur moi pour que ton cœur sous ton t-shirt. Et bientôt tous ces voyants qui clignotent. C'est pas ma faute si t'es seulement mon meilleur pote. Si t'es seulement mon meilleur pote. Hey, où tu vas? Tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le cœur, que le meilleur. Le meilleur. Oh, hey, où tu vas? Tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. 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 Pour toi qui sais comme je peux être chiante à mourir. Toi la dernière personne que je veux faire souffrir. On perd à tous les coups quand le corps s'est donné. Et ouais, le pire c'est que tu es tout ce que j'ai. C'est mes d'amour, tu vois, ça se fait par vote. Tu lis sur mes lèvres que le nom l'emporte. C'est pas ma faute si t'es seulement mon meilleur pote. Si t'es seulement mon meilleur pote. Hey, où tu vas? Tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le cœur, que le meilleur. Oh, le meilleur. Oh, hey. Où tu vas? Tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir. On mérite que le cœur, que le meilleur. On mérite que le cœur. Bonjour Victoria Sio. Bonjour, merci pour l'invitation. Hein. Mais c'est avec un grand plaisir. J'ai envie de vous demander une question toute simple. Comment ça va? Ça va super. En pleine promo sur l'EP qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc tout va très très bien. Il hier, j'étais en télé justement avec votre attaché de presse. Ah, d'accord, très bien. Le monde est très petit. C'est un plaisir de découvrir ce single Meilleur pote, issu donc de votre nouvelle EP Deuxième Vie. Le titre et l'EP cartonnent, je crois savoir, sur les plateformes. Oui, on a un très bel accueil, je suis super contente avec mon équipe, on fait en sorte que ça touche un maximum de cœur, donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. C'est clairement mérité. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cet EP qui est le deuxième? C'est le deuxième. Et qui s'appelle Deuxième Vie. Je pense qu'en fait, c'est juste l'EP, si j'ai envie de dire, de la maturité, l'EP de la renaissance. Je pense que je me suis trouvée, que j'ai mis le doigt vraiment sur ce que j'avais envie de chanter. Je me sens confortable, en tout cas, dans ces nouveaux thèmes que j'aborde. Par rapport au premier EP, qui était plus sur des sujets de vie, d'émotions personnelles. Là, je parle d'amour, qui est quand même un sujet archi populaire et qui touche toutes les générations. Donc voilà, on est vraiment allé là-dedans dans un style musical qui est, je reviens un petit peu à mes débuts, dans quelque chose de plus variété française, un peu plus vocal aussi. Un mélange entre la pop et la variété. Exactement. Qui fait vraiment son effet. J'ai envie qu'on écoute pourquoi. Grave. Évidemment, je te regarde. Évidemment, je me sens seule. Il y a des jours où je pars en larmes. Et à quoi bon t'aimer avant l'heure? Mais il y a des jours où je m'envole. Et des jours où pour toi je crois frôler le sol. Et je n'ai pas de réponse à ce jeu-là. Oui, je demande à mon cœur s'il doit se battre encore. Si toi tu ne m'aimes pas tant que ça. Pourquoi
quoi, avec beaucoup d'amour en effet dans ses chansons, votre amour aussi pour la ville d'Antalya au mois d'août. Quel enchaînement. L'envie du grand air, c'est dans une autre chanson. Il y a une envie comme ça aussi de vie au grand air, au plein air, parce que la chanson le dit clairement, mais on sent sur quelques titres cette envie de... Ouais, c'est des messages d'espoir en fait, de juste lâcher prise, de partir ailleurs, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est entouré de négatifs aussi, de choses qui sont quand même lourdes. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, et je me dis si cet album peut permettre à des gens de s'évader un petit peu, de partir voilà, dans des destinations exotiques avec Antalya, ou tout simplement avec la mer, avec la chanson On ira, et bah c'est que j'ai gagné un petit peu. On va écouter La deuxième vie. Et si... Je voudrais mieux me battre et mieux dire je t'aime. Ce que j'aime avant qu'ils partent, est-ce qu'on tomberait encore sous les mêmes erreurs? Est-ce qu'on blesserait nos corps au même coup de cœur? Parce que c'est dur, tu sais. Je veux un deuxième essai. Et depuis que j'ai raté le cas. Victoria Sio, on est en train de parler de cet album Entre nous, hein, avec Florence Pernel et Sandy Boulanger, qui va pas tarder à rentrer en piste dans cette émission. Et en fait. C'est vrai que cette deuxième vie, on a tous envie à un moment donné, à un carrefour ou à la moitié de notre vie, ou en tout cas à un moment donné, de changer. Et vous avez dit que vous, cette chanson, elle a aidé quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un vous a dit qu'elle avait une importance. Ouais, complètement. Moi, je ne l'ai pas écrite dans... Enfin, quand j'écris cette chanson, évidemment, ça part toujours d'un sentiment personnel, d'une histoire personnelle. Et je me dis, chacun va se l'approprier. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un message d'une femme qui m'a dit, on a perdu notre enfant et nous, avec notre mari, on essaye vraiment de se reconstruire, parce que c'est pas facile. Et on met cette chanson, et cette chanson nous apporte vraiment du baume au cœur. Donc je me dis, c'est dingue comme quoi une chanson peut vraiment toucher les cœurs de plein de façons différentes, et cette histoire-là m'a particulièrement touchée. Et parfois cette seconde vie, elle donne envie d'arriver à quelqu'un d'autre, et on va écouter ce titre qui m'a beaucoup touchée, Jusqu'à toi. Mon impère, mon ange, il fait beau, puis tes chaînes s'éclairent, elles sont de trop. Retourne ma veste, fous mon cœur à nu, moi je veux pas qu'on reste deux inconnus. Défais l'élastique, libère ma crinière, je jette mon unique armure à terre. Jusqu'à toi, pas mal de chemin à faire jusqu'à toi. Je veux pas d'artifice, de mystère jusqu'à toi. Y'a pas mal de chemin à faire jusqu'à toi. Toi. Voilà, on découvre une bonne partie de cette EP Victoria Sio. Je rappelle que vous avez démarré la musique très tôt.
très jeune. On vous a découvert dans des comédies musicales comme Le Roi Soleil. J'ai reçu Merwan il n'y a pas longtemps, super. Merwan Rim, que j'embrasse super. Très fort. On vous a connu aussi grâce au film Aline, où vous reprenez la voix de Aline Dieu pour pas tout dire. Vous êtes la voix chantée. Et puis aujourd'hui, c'est aux manettes de votre projet solo qu'on vous retrouve. C'est votre deuxième EP. Oui. Je sais que c'est pas évident de sortir des EP, des albums, que le milieu de la musique est compliqué, mais vous faites ça très bien, je tiens à le dire. Merci et beaucoup. Je crois que c'est un projet que vous faites aussi quasiment seul. Bah, je suis en autoprod, hein, je le dis, je me bats parce que c'est pas toujours facile face aux majors, face aux grandes industries qui sont derrière, mais j'ai pu constituer mon équipe avec mes attachés de presse, mon réalisateur, mon co-compositeur, parce que je fais vraiment ça avec une petite équipe, mais une belle équipe. Thierry F, qui est le co-compositeur, le co-arrangeur de ce projet, et Dobrisky, qui est la parolière, l'auteur, avec qui je fais ce projet. Et autour de moi, j'ai des jolies petites mains de fées qui travaillent mon image en radio ou en télé. Et voilà, et on essaye de faire en sorte que cette musique existe, de faire en sorte que mon projet touche les gens et d'exister tout simplement. C'est pas toujours facile, mais c'est un beau métier. Je sais pas si je pourrait me permettre de faire autre chose, en fait. Je crois que il y a que ça qui me fait vibrer, en fait. C'est un métier merveilleux, en effet. Est-ce qu'on vous a proposé de revenir sur scène dans une comédie musicale prochainement? Je sais pas si souvent on me le propose. Non, il y a pas de souci. Souvent on me le propose. C'est vrai qu'on m'a connue comme ça dans des projets conceptuels, collectifs ou sur scène. Bah, je suis pas toute seule, je suis avec une troupe. Donc, longtemps ça m'a convenu parce que je me suis dit si ça fonctionne pas, c'est pas sur moi que ça va retomber. On est une team, c'est sur tout le monde. Puis à un moment donné, je me suis dit non, faut que t'y ailles, Victoria. T'as des idées. J'avais vraiment envie de faire mon petit bonhomme de chemin. Et là, j'essaye vraiment d'aller au bout de ce chemin-là parce que je pense que j'ai encore des choses à dire, des choses à sortir. À proposer aux gens en tout cas qui m'écoutent et qui me découvrent, mais c'est pas impossible un jour qu'on me retrouve sur scène aussi avec une autre équipe, mais c'est vrai qu'on me le propose très souvent. Voilà. Deuxième EP, alors deuxième vie, premier EP, c'était Tout est bon là. On peut vous retrouver sur scène. Vous étiez récemment, enfin le 2 novembre au We Are. Oui. Vous serez le 15 décembre à Crawl, le 8 mars au Zénith de Lille avec plusieurs artistes, le 9 mars une soirée gala au Trianon à Paris, le 15 mars au Palais des Sports à Paris pour les comédies musicales. Exactement. Concert. On aura le bonheur de vous retrouver avec Julie Zenati, Anaïs Delva, Florent Mode, Jonathan Serrada ou encore Fabienne Thibault. Et puis le 16 mars en concert au Zénith de Pau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Victoria Sio? Déjà, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Mais que ça continue, que le projet grandisse, que la team grandisse, et puis que je continue de faire ce métier qui est avant tout une belle passion et que ça touche, je le dis souvent, mais c'est important, que ça touche un maximum de cœur. Voilà. Ne jamais rien lâcher. Écoutez cette EP merveilleux, deuxième vie, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci. Merci mille fois d'avoir été mon coup de cœur et vous êtes la bienvenue quand merci. Vous voulez, évidemment. Merci sur beaucoup, Radio en tout cas. Merci, c'est Victoria. Super, merci. Que le nom l'emporte, c'est pas ma faute si t'es seulement mon meilleur pote. Si t'es seulement mon meilleur pote. Hey, où tu vas? Tu vas pas changer de regard pour ne plus jamais me voir.